La France dans la rue, une image que nos voisins européens ont l'habitude de voir à la télévision et dans les journaux. Pour la plupart d'entre eux, les revendications sur les retraites peuvent être légitimes, mais le recours systématique aux manifestations reste plutôt mal vu. Moi, je ne suis pas sûre que ça aide de manifester, et non, ça n'apporte rien. Ça apporte juste beaucoup de problèmes. Paris est une grande ville pour les touristes, et ça, ça veut dire de l'argent. D'autres considèrent ces mouvements sociaux d'un œil amusé, y voyant l'expression d'un certain esprit démocratique typiquement français. En Allemagne non plus, nous ne sommes pas satisfaits de notre gouvernement. Mais personne n'ose descendre dans la rue. Tout le monde en parle d'aller manifester, mais personne ne le fait. Chapeau les Français. Manifester, oui, je pense que ça va aider. Mais il ne faut rien détruire. Non, ne faites pas ça. Les violences en marge des manifestations ont eu un écho assez important dans les médias européens, qui ont toujours un peu de mal à comprendre cette façon de revendiquer. Parfois, il y a une certaine admiration de certaines parties de la population en Angleterre, mais souvent on se demande comment et pourquoi on manifeste avec tant de véhémence, surtout pour des mesures qui ont l'air assez modérées à nos yeux. Rappelons qu'en Allemagne et en Italie plus récemment, l'âge du départ à la retraite a déjà été relevé sans encombre, de quoi alimenter l'incompréhension de nos partenaires, alors que la mobilisation en France dure depuis plusieurs semaines.